Hey, salut à tous, comment allez-vous? C'est HTMoza comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis vraiment désolé, mais on se retrouve aujourd'hui pour du Black Ops 3, j'espère que ça vous fait plaisir. C'est une vidéo sur Black Ops 3, donc sur la bêta, pas encore sur la version finale, je voulais vous le proposer ce gameplay avant la sortie de Black Ops 3 qui est vraiment très prochainement, certains vont la voir, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, mais à partir de demain, certains, beaucoup d'entre vous vont commencer à la voir, donc j'espère que cette vidéo, un petit peu avant la sortie officielle de Black Ops 3, vous fera plaisir. Donc c'était sur la bêta de Black Ops 3 au mois d'août sur PlayStation 4 avec la Razorback. Et j'ai vraiment kiffé ce gameplay, vous allez voir, j'étais en live. Comme d'habitude en fait, je suis toujours en live. Et c'est une vidéo que... c'est l'une de mes premières parties de la journée que j'avais faite sur cette bêta. Au bout de 3-4 jours de bêta, j'avais pris le gameplay en main, j'étais vraiment heureux de jouer sur cette bêta. Et vous allez même voir, vous allez voir au fil du temps, au fil des minutes que j'avais kiffé vraiment ce gameplay, que j'avais adoré ce gameplay, j'ai failli. Mais ce gros gameplay, c'est un gameplay fail, mais au final, c'est un gameplay que j'ai vraiment adoré faire. Vous allez voir, je ne peux pas vous spoil à la fin comment je vais être heureux de ce gameplay. J'étais content, j'étais vraiment content sur cette bêta. Et je voulais m'excuser aussi parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai fait de vidéo sur YouTube. Et en voyant tout à l'heure, alors qu'on était en live, qu'on venait de dépasser les 2600 abonnés sur YouTube, ça m'a fait plaisir, ça m'a un petit peu motivé à en faire de nouvelles, hein, surtout sur Black Ops 3, je sais que ça vous fait plaisir, je sais que vous aimez Black Ops 3, donc je suis vraiment désolé si j'ai pas fait de vidéo pendant un petit moment, c'est parce que je travaillais comme un forcené, je travaillais de l'ordre de 12 heures par jour, 11-12 heures par jour, et le soir en rentrant j'étais fatigué, tous ceux qui me suivent en live tous les jours le savent que j'étais complètement fatigué, c'est pour ça que je faisais quasiment plus de live. Et je m'en excuse encore une fois les gars, vraiment désolé de pas avoir fait de vidéo pendant tout ce temps. Mais la fatigue, le manque de motivation et tout ça, quoi, ça a fait que j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Donc j'espère que vous allez pas m'en vouloir. En tout cas, on a bientôt l'ordi, je sais pas si... Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, ça c'est juste un truc que j'aimerais bien, vraiment bien savoir. C'est, on est 2600 abonnés aujourd'hui. On est plus de 3600 sur Twitch et ça fait vraiment très très plaisir. 3600 abonnés sur Twitch, c'est énorme. Et dites-moi si les gars qui regardent cette vidéo jusqu'au bout, dites-moi si vous venez de PlayStation 4, n'importe quoi. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui viennent de PlayStation 4, mais si vous venez, si vous êtes d'où vous êtes abonné sur la chaîne, si c'est de YouTube, si vous êtes abonné de YouTube. Sans rien, si vous venez de Twitch, si vous venez de Twitch, dites-le moi dans les commentaires les gars. J'ai besoin de savoir, dites-moi d'où vous vous êtes abonné, si c'est d'une autre façon que de Twitch que vous m'avez connu. Et dites-moi tous ceux qui viennent de Twitch, likez la vidéo, vous savez, ça me fait plaisir. Et dites-le moi dans les commentaires que vous venez de Twitch, que vous êtes en force sur YouTube. Dites-le moi, j'ai vraiment besoin de le savoir. En tout cas les gars, comme vous le savez, aussi une autre raison. Du fait que je ne fais plus beaucoup de vidéos, c'est parce que j'ai un ordi, vraiment, c'est une calamité, je ne peux plus rien faire avec. Et on a bientôt atteint l'objectif de don, donc vraiment je remercie tous les donateurs, que ce soit de Skybrune à Kingsu qui a fait plus de 710 euros de don, donc merci encore à lui. Je sais que tu regardes souvent les vidéos Kingsu, donc si tu l'écoutes, vraiment je tiens vraiment à te remercier sincèrement. Pour tous ces dons, donc merci pour ces plus de 700 euros. Donc t'es le meilleur. Merci aussi à Alexander, à Skyzeri qui avait fait un énorme don, qui s'était trompé à la base et qui avait au final qui avait fait plus de 100 euros de dons aussi. Donc merci à tous ceux les gars pour qui ont fait des dons et aussi Alexander. Je sais pas si je t'ai remercié les mecs, mais Alexander, t'as vraiment fait plaisir avec tous tes dons d'il y a pas très longtemps. Donc, merci à toi, merci à tout le monde. À tous les donateurs, je vais faire un truc de spécial pour vous, pour remercier tous, parce que c'est vraiment juste un truc exceptionnel. Donc voilà, je tenais à dire que on est bientôt, on a bientôt atteint l'objectif de dons, et donc je voulais remercier vraiment tous ceux qui ont fait, tous ceux qui ont fait des dons, qui ont soutenu la chaîne, qui ont soutenu le projet. On est bientôt arrivé à la fin du projet, donc merci à vous les gars, et dès que je vais avoir mon ordi, ça va être quelque chose de mal à Twitch, les lives, les facecam, tout ce que tu veux, Putain, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte, et les vidéos YouTube, les gars. Je vous promets que ceux qui me suivent uniquement sur YouTube, vous allez
avoir beaucoup plus de vidéos qu'à l'époque, surtout qu'il va y avoir Black Ops 3 qui va me motiver, surtout qu'il va y avoir l'ordi qui va pas cracher à chaque fois que je fais un montage de... Vous en rendez pas compte, mais il y a des montages, mais des heures, des journées entières. Et quand ça plante, je suis comme... Tout ça pour ça plante, tout ça pour que j'ai plus rien. Faut tout, je recommence. Et il y a pas mal de fois où j'ai carrément abandonné tellement ça m'avait bien saoulé. Donc les gars, encore merci à tous les dons, tous les donateurs, tous ceux qui ont donné même 1, 2, 3, 4, 5 euros. Des petits dons les gars, un petit don égale un gros soutien, vraiment c'est énorme ce que vous faites. Donc merci à vous tous, vous êtes vraiment les meilleurs. Et merci encore à tous les donateurs, je vous like, je vous aime putain. Vous pouvez vraiment tous les remercier dans les commentaires, que ce soit Alexander, Kingsu, Skybrune, tous. J'ai plus tous les noms en tête de Pépé aussi qui a fait un petit don aussi. Donc merci vraiment à vous tous les gars. Vous êtes exceptionnels, merci pour ce soutien. Vous me faites plaisir et vous me donnez envie de continuer YouTube. Même si vous me suivez beaucoup sur Twitch, YouTube, c'est ma plateforme de prédilection à la base. J'ai toujours aimé faire des vidéos. C'est plus la même chose qu'avant parce que je ressens plus la même chose sur YouTube, mais en tout cas je suis un petit peu démoralisé comme je vous l'ai dit au début de YouTube, mais j'espère que ce Black Ops 3 va me donner vraiment envie autant que la bêta m'a donné envie de jouer une semaine. Une semaine de jeu sur Black Ops 3, c'est une semaine de vidéo, enfin 7 vidéos au moins. J'ai vraiment adoré cette bêta et j'espère vraiment kiffer Black Ops 3. Je voulais aussi vous dire les gars que le samedi et le dimanche, donc le samedi 7 et le dimanche 8, je serai en live pendant 36 heures les gars. 36 heures de live sur Twitch. J'espère que vous serez tous au rendez-vous. J'ai vraiment hâte de faire 36 heures de live parce que de toute façon, même si j'aurais pas été en temps là, si j'aurais pas été en live, quoi qu'il arrive, j'aurais fait au moins 24 heures de live pour jouer à ce Black Ops 3 comme tous les ans. À chaque sortie de Call of, je fais tout le temps des grosses sessions sur ce nouveau code. Et du coup, 36 heures de live, les gars, j'espère que vous serez tous là. Ces 36 heures, ça va être dur à tenir. Ça va être très très dur. Ça va être très 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 dur. Je sais pas comment je vais m'en sortir. J'ai plus l'habitude du jeu. En ce moment, je travaille, comme je vous l'ai dit. Je me lève à 6h, je rentre à 18h. Et voilà, reprendre des lives assez conséquents, des grosses sessions. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas comment je vais m'en sortir à la fin. Mais en tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et je commencerai à stream à partir de jeudi 20h. À partir de jeudi 20h, quand on aura le droit à la possibilité de stream, je serai en live sur Black Ops 3. Donc les gars, ceux qui ne me suivent pas encore sur Twitch, je vous conseille. Et s'il vous plaît, allez-y les gars sur ma chaîne Twitch, parce que c'est là où je suis vraiment actif. Si vous avez vraiment des questions, on me demande beaucoup de faire des FAQ, mais je réponds tout le temps à toutes les questions sur Twitch. Donc ceux qui veulent poser des questions, qui veulent voir du live, qui veulent proposer des choses, allez me voir sur Twitch les gars. Je mettrai le lien dans la description, comme d'habitude, le lien de Twitch. Pour ceux que ça intéresse, allez-y les gars, ça en vaut le coup d'œil et l'ambiance est toujours terrible. Les modérateurs sont toujours au top. Franchement, Twitch, c'est quelque chose de très très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, venez voir sur Twitch, les gars, c'est vraiment un truc d'exceptionnel. Et j'espère que vous allez tous passer sur Twitch pour déjà voir le live de 36 heures, parce que je pense que je serai dans un état second au bout de quelques heures de live déjà. Je pense, on verra bien ce que ça. En tout cas, j'inviterai tout le monde, les gars. Que ce soit pour du zombie ou du multi, je vous inviterai tous les abonnés. J'essaierai de changer souvent les personnes avec qui je joue. On fera des sessions différentes avec beaucoup de différents abonnés, tout simplement. On changera les groupes. Je vois pas que ce soit tout le temps les mêmes qui jouent, hein, d'accord, on fera ça. Là, je suis actuellement en train de supprimer pas mal d'amis qui sont plus ou moins actifs, qui sont plus ou moins sur PlayStation 3, qui n'ont pas le PlayStation Plus. Au moins, je vous fais de la place, les gars. Donc, ajoutez-moi. Vous connaissez tous mon pseudo, vous connaissez tous mon PSN, vous connaissez tous mon Twitch, mon Twitter. Tout va bien. Si vous avez des questions à me poser aussi, venez sur Twitter, les gars. En tout cas, voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai vraiment kiffé. Je vais vous laisser à la fin du gameplay. La fin du gameplay où je suis tellement heureux d'avoir joué sur ce jeu. Bref, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous laisse ici parce que ça commence maintenant. Là où je suis heureux, à tout de suite les gars, ciao. Non putain, j'étais... Ça va prendre ça, je l'ai déchiré. J'avais encore tout mes clistriques, la microstation, j'avais tout. Merde. Oh shit. Oh putain les gars, ce que je viens de leur mettre.
Ah, oh, je me suis régalé. Oh, j'adore ce jeu.